Ici Jean-Marie Lapointe, bienvenue à l'émission Porte-Parole sur les ondes de Canal M. Par cette émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, puis vous faire découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Victor Frankel disait, l'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais plutôt ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. Et ça, donner un sens à sa vie, à chaque jour et à chaque heure, j'ai l'impression que Jimmy Pelletier, t'es devenu pas pour le faire. Oui, Je me trompe pas. Effectivement. Effectivement. Écoute, on se connaît un peu. Ben on oui. a fait des entrevues ensemble, on a partagé la scène ensemble, on, a, on se suit de, à distance, mais on se connaît surtout à cause de ta femme, ben Manon oui. Bélanger, qui est devenue aussi une amie depuis plusieurs années. Ça en fait combien de temps qu'on se connaît, nous autres? Euh, ça doit faire environ. Euh... Une dizaine d'années. Ouais, une, une bonne dizaine d'années. Ouais. On, on s'est ouais, connus, ouais. c'était la, la fée des étoiles. Oui. <laughs> Faisait du bénévolat oui. au sens <laughs> de Grand Chemin. Puis, quelques temps après, vous vous êtes rencontrés. Puis, évidemment, vous, vous avez changé mutuellement votre vie. Vous êtes un beau couple dans mmh. la vie, mais vous faites aussi, vous êtes des partenaires de vie et au-delà du de la vie de mariage, mais vous êtes des partenaires de projet. Oui. Et oui. parlant de projet, ben regarde, je vais tout de suite le plugger. Vous avez écrit un livre ensemble. En fait, c'est Manon. Mais oui. comment c'est arrivé? Oui. C'est Manon qui a décidé. Tu disais, moi, je vais écrire oui. un livre cette vie. Oui, oui, j'ai eu une bulle. <rire> <rire> non, j'ai eu une inspiration. Moi, je fonctionne beaucoup par petite voix intérieure, puis j'ai senti que. Je devais partager aux gens ce que moi j'avais la chance d'avoir chaque jour, c'est-à-dire un homme comme Jimmy, un homme qui est, qui est incroyablement persévérant, déterminant, qui fait, des, qui fait des choses extraordinaires. Donc, je me suis dit, il faut, faut que les gens puissent le connaître, mais aussi qu'ils soient inspirés à travers son histoire. Parce que mon intention première, c'est que les gens puissent reconnaître qu'eux aussi, ils ont autant la force intérieure pour pouvoir faire des choix pour aller vers qui ils veulent être. Mm -hmm. Donc, euh, j'espère de tout cœur que ça va pouvoir remplir, que le livre va pouvoir remplir sa mission. Mais tu sais, ouais. le sous-titre, le titre c'est Survivre ou s'adapter. L'histoire inspirante de Jimmy Pelletier Bon, les, les gens nous écoutent peut-être à la radio, sur un podcast, peu importe sur la plateforme. Les gens voient peut-être pas. Jimmy est en fauteuil roulant. Sur la couverture, on le voit très très bien que tu es en fauteuil. Et l'histoire inspirante de Jimmy Peltier, Toi, tu trouvais-tu inspirante? Si je me trouve inspiré. Ouais. <laughs> non, ben, je pense que oui. Tu sais, c'est. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de dynamique, tout le temps joyeux. Puis la personne que, que tu vois là aujourd'hui, mm -hmm. c'est la même personne que quand j'étais petit. Puis euh, j'ai toujours été un fonceur. Puis, euh, tu sais, euh, suite à, après mon accident, mais euh, comme le titre, ça, ça, comme euh, c'est comme marqué, survivre ou s'adapter, mais. Euh, j'ai décidé de, de m'adapter dans ma nouvelle situation. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça qui, qui m'emmène à aller de l'avant puis euh, vraiment mm -hmm. à vivre le, le, moment, le moment présent parce que eux, veux pas, euh, mon handicap va, euh, va me suivre jusqu'à mm -hmm. jusqu la fin de ma mort. Mais euh, c'est sûr que c'est pas évident. Là. Quand, quand j'ai eu mon accident à 19 ans, euh, moi, je, je viens de comme. Euh, tu, tu tombes paraplégique, euh, T'es es paralysé à partir du nombril jusqu'en bas. Ouais. C'est c'est un choc. Là. Mm. Ça, ça vient te chercher, mais euh, euh, là-dedans, euh, j'ai été chanceux d'avoir une, une bonne famille. J'ai une mm -hmm. famille extraordinaire, mes frères, qui m'ont appuyé là-dedans. Puis euh, grâce à eux autres, puis grâce à moi aussi, parce mm -hmm. que, euh, prime abord, ça. ça c'est nous autres qui sommes qui responsables de, de nous-mêmes. Ouais. Euh, moi, j'ai décidé de, de, de foncer puis de m'adapter. Tu sais, Jimmy, si on fait un voyage dans le temps, t'as 19 ans, es au volant de ton auto. C'est clair que ton intention, c'est pas de te, te péter la gueule en, dans un accident d'auto. Tu t'es endormi au volant. Oui. Et, et je sais pas si ça te dérange d'aller là, mais tu es au volant, tu t'endors. Quand tu te réveilles, es-tu à l'hôpital ou tu t'es réveillé pendant l'accident puis. Tout ça, tu es encore conscient, et là, tu te dis, oh, que ça vaut va pas bien? Non, je me suis réveillé là, à, à l'enfant Jésus. OK. Avec, euh, moi, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai marché. Je ne suis pas capable de savoir le, où j'étais ou la, la journée avant ou les journées, je ne me rappelle plus l'année. À ce moment-là. Ouais, j'ai eu un traumatisme crânien léger, mais je ne me rappelle pas là, euh, la dernière fois que j'ai déposé mes pieds là, sur, le, là, sur le plancher. À ce moment-là. Oui. Puis quand je me suis réveillé, euh, j'ai été euh, transporté en jet ambulance à l'Enfant Jésus, à Québec. Puis euh, ma mère quand je... ma mère est aux côtés de moi, puis euh, je vais toujours m'en rappeler. Euh, je regardais le plafond, je voyais une lumière, puis euh, là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, pourquoi je suis ici, tu sais? mmh. Elle dit, tu à l'hôpital, tu as eu un accident. OK. Donc, euh, là, je regarde ma mère, puis je chantais comme des frissons, j'avais froid. Et que j'ai Je regarde ma mère, puis là, je dis... Tu pourrais-tu lever la couverte? Tu sais, je suis gelé. Puis ça a donné que la couverte était baissée un peu. mais moi, ma mère, elle s'avait fait dire que je ne plus plus. J'étais paralysé. C'était ça un choc pour ma mère. Mm -hmm. Tu sais, quand il nous arrive un accident ou, euh, voyons, un, un événement, c'est... C'est surtout les personnes autour de nous autres aussi, que des fois, les autres, ils en, ils en souffrent. Mmh. Tu sais, je suis quand même sur un garçon de 19 ans qui bougeait énormément. Puis du jour au lendemain, il est paralysé, que c'était normal qu'à qu se sentait de même. Mais euh, quelques jours après, là, le médecin m'a annoncé que je ne remarcherai plus le restant de ma vie. Là. Et que là, ça donne, ça, donne un coup. ça donne un coup. Mais à 19 ans? Tu te relèves comment dans tous les sens du mot, je veux dire, tu peux plus te servir de tes jambes, mais à ce moment-là, tu te dis OK, mais je fais quoi de ma vie là? Bien, la première affaire que j'ai pensée, c'est euh, j'ai pensé aux femmes. Je, vais -tu être sorry, capable? Sorry, vrai. je me oh, disais, oui. Allons, je vais-tu être capable de rencontrer quelqu'un, une fille, ouais. tu sais, es en fauteuil, parce que, tu sais, moi, je viens de Bécomo. Euh, j'envoyais pas de personne en fauteuil roulant, là. Tu sais, pour moi, tu ouais. En tout cas, à ce moment-là, il là, n'y avait pas les réseaux sociaux, hein. À tu sais tout, là, partout, mais à ce moment-là, là. là euh... Euh, C'est sûr, pour moi, c'était vraiment là euh, c'était vraiment de l'inconnu. Euh, mm -hmm. euh, tu te poses plein de questions, puis oui, mais tu sais, euh, t'es paralysé, que, là faut que tu te réadaptes dans ta nouvelle condition, tranquillement. Puis quand j'ai commencé à aller faire ma réadaptation au Centre François charron, mais là, euh, tranquillement, j'ai commencé à prendre du mieux, puis là, euh, j'ai commencé tout de suite à faire du sport, puis je m'ai fait approcher pour faire de l'athlétisme en fauteuil roulant. Ben oui qui m'a amené à m'entraîner puis à faire là huit mois après mon accident les jeux le, le défi sportif ici à Montréal. Ben oui. là. Puis ouais. quelques temps après tu es allé à Turin aux jeux para Oui, en 2006. 2006. Euh, j'ai décidé de, de faire du ski de fond puis je m'entraînais beaucoup puis euh, euh, grâce à l'effort que j'ai euh, j'ai pu euh... comme je pourrais bien dire ça j'ai euh... Persévérer. Pe j'ai persévéré là-dedans, là, dans, dans mon entraînement avec l'équipe canadienne, puis j'ai pu aller euh, au jeu de Sourain. Mais pour avoir. Euh, tu le sais, je suis impliqué au défi sportif depuis quasiment 25 ans. Pour avoir rencontré des athlètes qui ont perdu l'usage d'un membre, d'un sens, quoi que ce soit, beaucoup m'ont dit c'est sûr que tu penses que ta vie est finie, c'est sûr que tu peux avoir des idées suicidaires. Il y en a même qui ont fait des tentatives de suicide, mais ce qui les a sauvés, c'était le sport surtout tu étais sportif. Donc toi, la place du sport pendant puis après la réadaptation a dû être vraiment importante. Dirais-tu que c'était un tremplin vers l'acceptation Je sais pas si on peut dire ouais. qu'on accepte sa nouvelle situation. Ben, accepter c'est oui, tu viens tu viens l'accepter, mais avant d'accepter euh, l'handicap, c'est quoi qui t'emmène là-dedans C'est ce que je dis toujours au monde, c'est faut que tu t'adaptes dans dans ta nouvelle situation, mm -hmm. puis en t'adaptant, puis à travailler fort, en travaillant fort. Mais c'est là que ça vient comme l'acceptation. Mais si tu me dis Jimmy, tu l'acceptes, bien, je vois mais C'est sûr que j'étais debout avant puis je chantais tout. C'est pas vrai que j'accepte mon handicap. Non. Mais je m'adaptais. Puis c'est ça qui m'a amené à, à vivre le moment présent. Puis je suis vraiment... Tu sais, je suis très heureux, là. Je suis bien dans ma vie. Mm -hmm. J'ai une femme extraordinaire. J'ai plein de défis. Faites les Jeux paralympiques. Puis euh, je fais plein de projets que, tu sais, je m'en... Mais c'est à chaque jour. mais parce que... à chaque jour. À chaque jour que tu dois continuellement t'adapter parce qu'il y a de la nouveauté, il y a des défis, tout ça. Sauf qu'à 19 ans, moi, pour avoir rencontré des gars qui jouent au rugby en fauteuil, ils m'ont dit... Une chance, ça m'est arrivé à 17, 18 ou 19 ans parce que j'ai quand même, puis c'est des gars qui ont 45, 50 ans. Alors, ils ont eu une grande partie de leur vie, finalement, une plus grande partie de leur vie en fauteuil que sur en mode bipède. Oui. Donc, j'ai l'impression que toi, il y a une grande partie, tu avais qu'à l'âge, tu avais 19 ans, avais puis là, aujourd'hui. Hein? Là, je suis rendu à 47. Tu sais, ça fait un bout de temps que tu t'adaptes encore. C'est ça. Mais moi, les gars qui me disaient, de la misère encore des fois de l'accepter parce que c'est à tous les jours, c'est pas agréable, c'est pas le fun. Tu tu, où, toi, là-dedans? Mais' tu sais, moi, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est normal. Tu sais, tu peux pas accepter. Tu sais, c'est pas dire qu'on n'est pas des bonnes personnes, c'est parce qu'il t'arrive un événement X qui t'enlève la moitié de ton corps, puis ah tu sais ouais. c'est à chaque jour, euh, tu de, de te sentir aller aux toilettes, je sens pas mon envie, euh, c'est énorme là, puis tu sais c'est à chaque jour, à chaque fois que je me couche, faut toujours je calcule pour pas boire pendant la nuit parce que tu sais quand tu es debout tu t'aperçois pas de ça là. Ben non. En tout cas, de ce que je me rappelle, je portais pas attention à ça, mais à ce temps c'est tout le temps de responsabilité. Ben oui. Tu sais, ça fait 27 ans que, assis, là. T'sais, ouais. que je t'assis. Tu sais, ça je disais à ma blonde, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 27 ans, je t'assis. <laughs> <laughs> tu sais, dans tout ce que tu fais, tu es assis ou tu es couché. Mais c'est correct, gars. Hein? on, on, on s'adapte. Je suis convaincu que euh, les personnes en fauteuil roulant, là... Euh, euh, qui nous écoutent tout ça, les autres aussi, il y en a qui décident de s'adapter puis qui foncent à leur manière. Chaque personne est unique. Mm -hmm. Moi, j'amène à ma façon, à moi, de, 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 redonner, de redonner au suivant mm -hmm. puis de pouvoir là, aider les, les personnes qui en ont besoin. Tu sais, je pense que quand on côtoie le handicap, la différence, ça nous contamine. Moi, tu m'enseignes comme tous ceux que j'ai rencontrés au défi, à réaliser qu'il y a une vie après le handicap, après la maladie, et peut-être dans certains cas grâce au handicap, grâce à la maladie. Moi, il y a des gens dont je vais le nommer Pierre Mainville, qui est un champion en escrime en fauteuil. Il m'a dit j'ai tellement une belle vie depuis mon accident, mais je sais pas. Toi, t'as évidemment pas connu Jimmy avant non. son accident. Puis tu le regardes aller, tu le regardes le bien qu'il fait à travers son livre, ses conférences, ses mm -hmm. projets, c'est mm -hmm. la grande randonnée de Jimmy Peltier. Dirais-tu que, que ton mari, que ton chum est capable de changer la vie et changer le regard de la des gens autour de lui Oh, sans aucun doute. C'est mm -hmm. mm -hmm. tout à l'heure Jean-Marie ce que, que mon chéri disait, c'est tu faut que tu t'adaptes chaque jour puis, ce qui est remarquable chez lui, c'est que <laughs> T'sais, il va il va vivre un, un petit quelque chose désagréable causé par son handicap mais quelques secondes après c'est déjà oublié puis il y a déjà le sourire extrême il y a une énergie une, une, incroyable et c'est ça qui fait il y a un charme c'est ça qui fait que je, ça c'est une, une grande particularité chez lui c'est ça qui fait qu'il est inspirant mm -hmm. c'est l'attitude qu'il démontre hein. Mais qui donne ouais. du courage ouais. aussi, qui donne euh, de l'espoir malgré, ouais. les, malgré, ouais. malgré ouais. les choses épouvantables. Puis on dirait que toi et moi, on côtoie le handicap, la différence et, 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 et on est privilégié d'être aux premières loges, oui. particulièrement toi, parce que oui. tu es aux premières loges de la vie de Jimmy. Mm -hmm. Il t'a choisi, tu l'as choisi et que j'ai l'impression que là, vous n'avez plus rien à votre épreuve. Là, vous avez traversé le Canada. En vélo à main. En vélo, oui. T'as euh... fait le Kilimanjaro. Oui. Il n'y a pas des tonnes de personnes handicapées. T'es peut-être le deuxième, Je troisième. Le deuxième. Deuxième, euh, deuxième personne deuxième à faire. Personne, euh, ouais. Le Kilimanjaro. oui. Puis là, comme autre projet de fou, vous voulez faire rien, rien que moins que le... le Tour du Monde? Le Tour du Monde. Fait que euh, ça, c'est. C'est l'année prochaine, là, en 2025. On va partir, on va faire ça tout seul, en cyclotouriste, ouais. autonome, puis 40 000 kilomètres, 38 pays sur deux ans. OK. Avec, ce qui donne environ 400 kilomètres par semaine. Là. Wow. Tu euh... es là. là. Mm -hmm. Oui. On a chacun nos chariots, puis nos oh. chariots seront nos maisons. Wow. <rire> <rire> puis ce qui est <laughs> fun là-dedans, là euh, Jean-Marie, c'est que on va aller, euh, on va cogner aux portes. On veut connaître, on veut euh, connaître les coutumes de, de, de chaque nationalité. Mm -hmm. Puis euh, oui, on va dormir dans notre tente, mais tu sais on, on, on va cogner aux on portes va, pour on... euh, demander voir si c'est possible de s'installer sur leur terrain ou leur terrain. Ouais, ça va être de cette manière-là qu'on va trouver. Euh... Hébergement tous les jours. Ben, ouais. vous êtes beau, vous êtes fin, vous êtes <laughs> sympathique. Lui, en plus, il a un handicap. Qui, qui c'est qui, qui va vous dire non? Ouais. <laughs> en tout cas, on, on a beaucoup de d'atouts dans, dans notre manche. Comme ouais. tu dis, on, on est des bonnes personnes. Puis, en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on va remonter des sous là, pour euh, ta vie, Ouais. pour euh, les handicapés physiques et intellectuels, l'aspect de l'autisme, puis... Euh, euh, l'objectif est de ramasser 2 millions mm. puis euh, wow. c'est drôle mais je sens que je vais, on va le dépasser, ça c'est mon feeling à moi, même si Mario est conservateur, là, est le directeur général d'Adaptavie mais, euh, <laughs> mais tu sais, c'est pour... Pour le complexe, parce qu'AdaptaVie, ils vont se faire, construire un, ils veulent se faire construire un complexe pour les personnes handicapées. Mm -hmm. Il va avoir un gymnase puis ils vont, avoir, ils vont pouvoir tout avoir tous les mêmes soins ou à la même place. Des ouais. services. C'est euh, quand même là, 2000 clients là, par année qui, qui, euh, qui utilisent là, les services AdaptaVie c'est vraiment en ascension montante. Mm -hmm. C'est important, là, éventuellement, qu'il y ait vraiment une installation là, euh, 2000, euh, tu mm -hmm. des, des années 2000. Est-ce que tu es le porte-parole officiel d'AdaptaVie? Oui, je suis ambassadeur pour AdaptaVie. OK. Puis euh, je suis très fier. <laughs> ben avec raison. Puis avec raison. Puis surtout que tu as déjà contribué à hauteur de 1,4 million, que tu as oui. pu, dans, à travers tes projets, tu as pu reverser. Oui. Bon, euh, 1.7, jai tu lu? 1.7, 1.7 million avec la randonnée de Jimmy Pelletier à, mm -hmm. à chaque année, avec, euh, puis le, le voyons, la, la, la traversée du, du Canada. Ouais. C'est euh, là, cet été, euh, la prochaine été, mais euh, la randonnée, là, je m'attends de, de redonner beaucoup de sous. Ça va être, de, ça va être mon record, d'après moi. Puis, euh, c'est le fun parce que la, la, la randonnée, c'est une randonnée de vélo. Que mm -hmm. cet été, il va avoir une, une nouveauté, il va avoir trois pelotons à la place d'en avoir deux. Puis, tu sais, on, on roule. Puis, tu sais, moi, je suis un gars de musique aussi, j'aime ça, qu'en roulant, mais, euh, euh, tu sais, j'ai 2000 watts de son, fait qu'on roule dans le chemin. Avec un camion à l'avant, un camion à l'arrière. Tout est en... La sécurité est très importante pour nous. Il y a de la musique qui joue tout le long, là. Oui, Il y a des playlists. Puis quand ouais. on arrive, mais avec mon chum, là, Phil la Roche des Cages, la, la cage au sport à Québec, avec, on fait des tailgates. Puis, tu on prend une petite bière en arrivant. Ou, tu sais, on... il y a de la musique. Puis c'est le mm -hmm. fun, là. Le monde est. C'est vraiment un petit côté euh, happening. Puis euh, après, ben, on se fait un bon barbecue parce que c'est nous autres qui fait notre nourriture. Ouais. C'est euh, la gang qui est là, là mes bénévoles, qui, euh, qui font la nourriture. Euh, on... C'est combien de personnes qui font la randonnée avec vous autres? Là, euh, cet été, j'ai 120 cyclistes. Puis euh, au total, on est 160 avec euh, toute ma gang de bénévoles. Ouais, mais moyen barbecue, là, 160 personnes ouais. à nourrir. Oui. C'est wow. de la logistique. C'est de la logistique. J'ai un camion réfrigéré. J'ai tous des partenaires. Ah. Moi, là, tous mes partenaires, c'est gratuitement. Je vais chercher de la nourriture. On mange du saumon. On mange des côtes levées. C'est tous euh, des... des bons repas. Là. Et c'est des dons ou c'est des commandes? Des dons. Ouais. C'est pour ça que l'argent que vous récoltez va verser directement à Adaptavie. Il n'y a ça. pas tant de dépenses. Il y a des dépenses. C'est normal. Il faut faire fonctionner tout ça. Mais. Et le gros ratio de ce que tu reçois, ce qui rentre, versus ce que tu redonnes, il est avantageux. C'est ça. Que quand tu t'inscris, tu as un prix, il un, 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 faut que tu payes ton inscription, puis tu as dollars à monter en dons. Disons que les dons s'en vont 100% pour adapter ta vie. Puis le reste, c'est pour payer. Là, euh, nous autres, on couche dans les hôtels. Mm -hmm. Puis euh, le, le linge aussi, parce que j'habille mon monde, là, un bib, un maillot. Wow. On est tous tout habillés, tout pareil. Puis la randonnée, c'est une famille. Mm -hmm. C'est l'entraide. Puis la persévérance aussi, parce que je suis toujours devant le platon, mais ma femme est toujours avec moi aussi à l'avant. Fait que tu sais la gang moi je fais tous les pelotons puis ils me voient y rouler mm -hmm. avec quand on arrive d'un côté comme l'année passée là euh, Charlevoix puis euh, B Saint Paul <laughs> là euh, je peux dire une affaire qu'il m'en parle à chaque fois qu'il me revoient. me il me dit hey Jimmy hein? en tout cas dans le côté là quand je te voyais avec wow ouais c'est quelque chose hein puis c'est combien d'éditions que vous êtes rendus, là là l'été prochain c'est la huitième huitième édition ouais. wow ouais. wow fait que, Porte-parole, ça c'est le but de, c'est le titre de l'émission, puis on veut mettre en valeur le rôle du porte-parole à travers l'émission avec toutes sortes d'anecdotes et tout ça. Mais tu sais ce que je disais tantôt euh, de Victor Frankel, c'est lui qui avait dit entre autres euh, que l'homme peut survivre, l'homme et la femme peuvent survivre à toutes les souffrances pourvu qu'on y trouve un sens. Est-ce que ce que tu fais présentement, c'est aussi de redonner un sens à la journée fatidique où tu as perdu l'usage de tes jambes à 19 ans? Effectivement. Effectivement. Moi, redonner, ça, ça me valorise. Mm. Ouais. Ça me valorise, puis je sens que... Moi, je te à cause que j'ai eu un accident d'auto. Mmh. Euh, je te au travail parce que le monde me voit, mais j'ai toujours des douleurs. Là, je te parle, je sais que j'ai mal aux fesses, les jambes, puis là, ça, ça me sert. Que, euh, la meilleure position euh, pour moi, c'est quand je suis couché dans mon vélo. Mmh. Puis euh, à partir de là, mais là, c'est là que j'ai donné un sens de dire bon, OK, bon, oui, j'ai fait de la compétition, mais après, je me disais, je pourrais faire de la randonnée. Je pourrais redonner au suivant. Puis, tu sais, c'est là que je me sens le mieux, je me sens bien. C'est comme ça qu est venu le projet. c'est ça. Après réflexion. C'est ça. La traversée du Canada. Puis, la traversée du Canada, mais c'est quand même là, 7200 km en 65 jours. C'est une moyenne de 125 km qu'on a fait par jour. Mm -hmm. Puis, euh, je m'y suis super bien. Je m'y jamais bien senti de même. Je me sentais très bien. Mm -hmm. J'étais rendu une machine. <laughs> non, non, j'étais. Tu le sais, Jean-Marie, tu t'entraînes, puis ouais. euh, ça fait du bien. Puis oui, euh, oui, pour moi, c'est sûr que le fauteuil roulant, tu sais, c'est à, à chaque jour. Mais en m'entraînant, en prenant soin de moi, mm -hmm. puis en redonnant au suivant, c'est là que je donne un sens vraiment à ma vie. Là. On va y revenir, mais je peux pas faire autrement de penser à toi, Manon, en disant les chances de rencontrer l'homme de ta vie. C'est plate à, à dire, mais c'est à cause d'un motus d'accident pareil. Mmh. Et effectivement, Et effectivement, j'ai pas d'autres mots à dire. C'est hein? c'est bien spécial hein? comment ouais. la vie nous, dé, nous prépare à, ouais. à vivre des grandes histoires, mais tu sais, euh, il faut mmh. passer par la noirceur pour apprécier la lumière, puis c'est exactement ce que tu as vécu. Pas un accident, tu t'es endormi au volant, puis tu te réveilles, tu à l'hôpital, tu sais. Cette transition-là, tu doutais-tu que ça changerait? Je vais dire un mot, puis tu peux me chicaner, mais positivement, parce que tout le positif que tu fais depuis l'âge de 19 ans, c'est fucking grand. Mm. Pensais-tu te rendre de façon aussi grandiose où est-ce que tu es rendu aujourd'hui à cause d'un accident d'auto? Jamais. J'aurais jamais pensé ça. Mm. Puis euh, même quand j'ai débuté en. Je <laughs> vais te, te compter quelque chose, là. <laughs> tu sais, il va d'arriver des affaires en fauteuil roulant, là, mais <laughs> quand j'ai commencé, mais... Euh... C'est drôle parce qu'à ce moment-là, euh, je commencé à faire l'athlétisme, puis euh, j'étais avec euh, mon chum Dean Bergeron, qui mm -hmm. est euh, un autre athlète, euh, ouais. en fauteuil. C'était ouais. un grand, c'est vraiment un grand athlète, là. Digne, là. un un et... actuaire et un athlète. Oh, hein? Oui, oh, oui, tout un monsieur, hein? tout un homme. Oh, ben, oui. Oui. Puis euh, aussi, il y avait Chantal petit euh, que Quand nous autres, euh, quand moi j'ai commencé à, à courser puis à voyager, mais je voyageais avec Dean, c'était mon mentor. Mm -hmm. J'étais jeune, Dean, il est plus vieux que moi un peu. Puis aussi, mais Chantal voyageait avec, euh, avec Dean. Mm -hmm. euh, que ça arrivait des fois à quelques places qu'on était toutes, euh, toute la gang ensemble. C'est drôle, j'étais chez nous un moment donné. J'avais appelé Dean parce que Dean, il m'a... Dine est tranquille, mais moi je suis plus extraverti. <laughs> hey, j'ai dit digne j'ai dit, il euh, hey, serait le fun un jour aller atteler la marche, puis euh, hey, on pourrait parler de notre handicap. Puis euh, hey, c'est drôle, je disais ça là, dès le début. Wow. Sans, sans savoir que, tu sais ce que je ferais euh, un jour, mais je trouve, mais je pense que c'est ça qui est beau mm -hmm. de vivre. Ça nous emmène à, à vivre le moment présent. Ça serait tu plate de tout savoir ce qui nous ben oui. arriverait? Et on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Oui, puis peut-être que s'il y avait eu une, une diseuse de bonne aventure qui t'avait dit à 20 ans Tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas ramasser des sous, tu vas être porte-parole, ambassadeur dadapte vie, un, un, tu vas écrire un livre avec ta douce, tu vas aller faire un best salaire, tu vas aller faire le tour du monde. Le savoir, là, peut-être que tu te serais moins motivé. Peut-être oui, que tu aurais pris les sûr. choses pour acquises, puis tu te ouais. serais Oh, ben ça va venir, anyway. C'est vrai. Ben non. Tu sais, alors quelque part, encore là, tu me. Tu peux me taper ses doigts si je te, je te pose une question absurde, mais j'ai. Si tu avais la possibilité de revenir la veille de l'accident, mais que tu passes à côté de tout ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu ferais? Là, là? Ouais. Yes, <laughs> c'est Ça fait ça fait 27 ans que je t'en fauteuil. Ouais. C'est. Mais là, faut que tu dises non à Manon, faut que tu dises non aux millions que tu as amassé pour des causes. Mmh. faut que tu dises non à tous les beaux projets, là. Mais tu reviens mmh. la veille de l'accident. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais là, oui. <laughs> mais tout ce que j'ai vécu. Ben là, c'est sûr. <laughs> J'avais pas <pour rire> rencontré ma femme. Non, non, gars, j'aime vraiment ma vie. Tu pourrais me poser comme question si tu aurais une affaire dans tout ton handicap ouais. que tu aimerais juste en avoir pour avoir une sensation, ça serait mon envie. Ça serait juste d'avoir mon envie, de, au moins, de me sentir. Juste j'ai envie d'aller aux toilettes. Oui, on a fait, Ah ouais. Oh, oui? Oui. À le reste, ça, ça, ça change rien. Et... Mais attends une minute, ouais, ouais. De toutes les choses, ouais. j'aimerais ça être capable de sentir quand j'ai envie ouais. de pipi ou envie de caca. Mais si tu demanderais à ah, quelqu'un, ouais. euh, en tout cas, euh, en hmm. tout cas c'est sûr que moi chaque handicap est différent ouais. je veux pas embarquer là dedans parce que c'est puis je sais que chaque personne qui, qui, qui a un handicap il vit ça à sa manière ouais. puis aussi c'est pas pareil je, moi je suis paraplégique pas d'abdominaux hein, que ça m'emmène d'autres choses qu'un paraplégique ouais. avec des abdominaux il va faire d'autres choses euh, dans le quotidien, ça va être plus être fait, euh, facilitant pour faire euh, X show. Ben, D'ailleurs, c'est pour ça aussi que tu te lèves régulièrement sur ton fauteuil. Quelqu'un qui a ses abdos, il peut se déplacer latéralement, il y a son corps, comme on ouais. dit en bon français. T'sais. Sauf que ça ne t'a pas empêché, finalement, à 19 ans, de réaliser ben, finalement, euh, je peux avoir une vie amoureuse, je peux avoir des blondes, je peux faire ma je peux avoir une famille, je peux avoir des enfants, tu peux tout faire ça. Oui. Il n'y a rien qui t'a empêché. Non, non, j'ai décidé de foncer. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, en parlant des enfants, j moi, j'ai essayé par simulation euh, en, 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 en 2006, 2007. Ça n'a mm -hmm. pas fonctionné que là, j'ai adopté ma fille là, euh, au Vietnam. Mais, euh, puis le monde il me disait Oui, mais quand tu vas voir, euh, tu sais, petite, puis sarah avait trois mois. Euh, quand elle est arrivé à la maison, et mm -hmm. que là t'es en fauteuil roulant, comment tu vas faire t'en occuper Puis tu te fais poser plein de questions. au-delà J'ai dit gars, je vais m'adapter, puis tout ça. Puis voyons, tu sais, c'est je je sais que ça en demande plus. Ça en demande deux, trois, des fois quatre fois plus qu'une personne qui est debout parce que tu sais, moi exemple, étant à la terre, étant petite, j'étais pas capable de la prendre à deux mains. j'ai pas d'abdominaux. Fait que là, je, je la prenais par euh, sa couche. Puis là, je la levais. Puis après, mais quand, quand elle commençait à grandir, mais ben ouais. bon, euh, a, elle, elle se prenait après mon fauteuil, puis après les cuisses, puis après... mais puis là, je niaise tout le temps, puis à cette heure, elle ne veut plus rien savoir. Elle va embarquer sous moi. À quel euh, âge là? Ça euh, elle a grandi à 16 ans. Là. Ben là, Donc, euh... Elle a rendue grande. Bon, C'est ouais. <laughs> drôle. C'est une grande fille. Une belle anecdote. Mais, euh... mais tu sais, le titre, m'annonce Survivre ou s'adapter », ton chum ne fait pas juste survivre là, là? Non, pas du tout. Il, euh, il, vit, il vit à 110% chaque jour. Mm -hmm. C'est un intense. Oui. Parfait pour toi, ça? Oui, eh oui. <laughs> tu sais, ça, ça, de côtoyer un gars comme Jimmy, j'ai pas le choix de te demander. Il te contamine de mille de une façons. Ah, ça, c'est sûr. <laughs> Surtout de est... quoi? De quoi tu es le plus contaminé? Du, de son côté très positif. Ça, 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 tu te remets en question quand tu un petit bobo ou euh, dans ton travail, tu vis des, des, des contraintes. Tu te dis, bon, ça tu vois les choses mmh. beaucoup plus euh, de façon légère. Oui. Mmh. De, ouais. re, de relativiser Puis, un peu. Oui, oui. Tu sais, je suis déjà une personne qui, qui, qui aime les défis, qui aime euh, sortir de la, la, la zone de confort. Mmh. Mais euh, mon, 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 cher, ma, mon cher amour, ben lui, il m'aide il encore plus à les réaliser. Tu sais, c'est comme. C'est ça, j'ai la drive. Puis la drive, c'est qui? C'est mon chéri. Mais Moi, ouais. on attire ce qu'on est, on, on attire l'homme, la femme dont on a besoin pour continuer d'évoluer, de grandir. Puis j'ai l'impression que c'est ce que tu as fait. Tu tu, tu t es une fille qui est, qui est saine, qui est sage, qui a un grand cœur, qui est sensible. Tu es, es capable de te décentrer toi-même. Je veux dire, euh, c'était un match, comme ils disent en anglais, made in heaven. C'était fait, vous étiez fait pour être ensemble. Moi, je crois, puis je le sens, que on, je l'ai toujours connu. C'est mmh. quand je l'ai rencontré, ça a fait OK. C'est dur à expliquer. Donc, c'était comme ça. Il, avait, il aurait été debout, ça aurait été la même chose. C'est l'être, c'est ça, c'est fusionnel. Mmh. Ouais. C'est beau de vous entendre. <laughs> on va faire une mini pause musicale, une petite transition. Euh, on va poursuivre avec Jimmy Pelletier. Puis Manon Bélanger, qui en ont profité pour récemment lancer un livre extraordinaire, Survivre ou s'adapter, l'histoire inspirante de Jimmy Pelletier. Retenez bien ces noms-là, Jimmy Pelletier, Manon Bélanger, on va en entendre parler. Il y a des projets de documentaires pour vous accompagner autour du monde. Mais on prend une petite pause, puis on replonge après dans l'émission Porte-Parole sur Canal M. Restez avec nous. porte-parole sur les ondes de Canal M, ici Jean-Marie Lapointe, en compagnie de Manon Bélanger et de son amoureux Jimmy Pelletier. Euh, vous pouvez euh, sauter sur l'occasion d'aller chercher aux éditions Le Dauphin Blanc. Toujours Alain Williamson, le, oui. le, le, le oui. Big Boss. Quel oui. bel être. Oh, Quel oui, beau monsieur. Oui. Alors, Sa su... femme aussi. Hein? Oui, c'est oh, du beau oui, monde. Bien. Chantal Martineau, c'est vraiment deux belles personnes. Bien, mm -hmm. puis si tu regardes la maison d'édition Le Dauphin Blanc, ils ont écrit des beaux livres. Ils ont publié des beaux livres. Donc, c'est Malon Bélanger qui écrit un livre en admiration et avec raison Survivre ou s'adapter l'histoire inspirante de Jimmy Pelty. Euh, je sais pas si vous êtes familier à la signature de l'émission Porte-parole. Pendant la première demi-heure, on parle de l'humain, on parle de pourquoi tu es porte-parole, pourquoi vous vous faites cette mission-là, qu'est-ce que ça vous apporte. On place la table, mais le mot juste de problème que j'ai à chaque fois, c'est que je ferai une émission de 3-4 heures parce que mes invités et vous en faites partie, vous avez tellement des belles vies que on pourrait déborder. Mais avant de de, de passer à la portion, parce qu'il y a un petit jeu là, ce qui s'en vient. Euh, oui, tu es ambassadeur porte-parole de Adapt ta vie, mais tu es bien plus que juste porte-parole de ça. À quoi tu pourrais identifier ta mission? Tu serais porte-parole ambassadeur de quoi au sens plus large? Moi, ça. Ouais. Ben, je pense que c'est à l'intrusion. À l'inclusion. L'intrusion, c'est autre chose. Non, non, excuse-moi. <laughs> T'es peut-être un intrus. Ah, T'as été un bel intrus à dans la vie de Manon. <laughs> ça, c'est mon problème de langage. Là. Quand j'étais petit, j'ai euh, appris à parler, moi, en troisième année. OK. Euh, j'ai eu un problème de, la... un problème de langage. C'est okay. pas le traumatisme crânier qui, qui te non, fait non, parler non, non, plus proche des fois. Non, non, ah, non. Okay, non d'accord. <laughs> c'est pas, <laughs> pas le sens. bon. Souvent, ça arrive fréquemment, c'est pas le bon mot qui sort. <laughs> c'est juste drôle. Ouais. Non, je pense que j'ai comme une... une mission de vie. Depuis ben mon ouais. accident, tu sais, je me dis, gars, ça peut-être pas arriver pour Arnie. Ouais, c'est bête à dire, là, tu te dis, bon. Mais, euh, je pense que je suis là pour euh, monter l'exemple. Euh... Mais dans les moments de doute, dans les moments de fatigue, tu le disais tantôt Manon, ça arrive des fois que, oh, là c'est rough, mais pas longtemps après, tu as vécu l'émotion, et hey, on sait si on recommence, puis on continue, tu sais. Mais quand tu regardes tout ce que tu représentes... Tout l'aide que tu apportes, les exemples à, à travers tes conférences, à travers le livre, les projets documentaires, il y a tellement de gens que... Tu réalises-tu qu'il y a des gens qui ont besoin d'un bonhomme comme toi? Ça, ça doit te donner un peu de gaz puis de la motivation à continuer, non? Bon, oui, effectivement. C'est sûr. Puis je me le fais dire. Ouais, hein? Il y en a beaucoup qui... Euh, il y en a beaucoup qui m'écrivent puis euh, ils me disent gars Jimmy euh, ça m'a fait du bien puis ça a changé ma vie puis à ce mais je fais ça de cette manière là puis ouais. euh, que oui euh, ça m'aide ça m'aide mais je peux pas je peux pas m'asseoir juste sur ça tu sais Mais non. c'est parce que j'ai au bout de la ligne c'est mon moi-même quand je me lève le matin il n'y a personne autour de moi ben oui ma femme est là mais la dure Je... réalité de, con... de ton quotidien, c'est toi qui le payes C'est ça. Il <laughs> n'y a ça. personne d'autre qui le paye que toi. Donc, c'est sûr que la facture est là, mais la récompense aussi est là. Ouais. Et si tu n'avais pas de fun à faire ça, tu ne pourrais pas continuer. Là. Non. Faut que tu aies du fun, là. Ouais. Tu as du fun à faire la promotion d'un livre, tu as du fun à faire du vélo à main, mais le passage obligé, c'est la réalité de ton quotidien de gars qui vit avec un handicap pour le restant de ses jours. C'est ça la facture. C'est sûr, sûr, mais tu sais, aussi, je suis bien entouré. Ben ouais. Ma femme, j'ai une femme euh, extraordinaire. Elle est là chaque jour, puis comme je dis tout le temps euh, au monde, c'est que j'ai jamais vécu une relation de même de ma vie. Mm. Elle me fait vivre. Euh, tu je suis capable de vivre ma vie euh, en frouteur roulant amplement. Tu sais, ouais. elle ne elle fait, fait pas voir mon handicap. Non. Puis pour moi, c'est extrêmement important. C'est oui. précieux, ça. c'est précieux. Parce que ouais. avant ton accident, tu mesurais combien? Te souviens tu souviens-tu? 5 pieds 8. Bon, 5 <laughs> pieds 8. Là, t'as descendu d'un pied facile. Oui, pas mais, mal. Là. <laughs> bon, mais à 5 pieds 8 ou à 4 pieds 8, toi, tu le trouves aussi grand? Oui. Oui. Ouais. Ouais. <laughs> ça change rien, ça? Non, pas du tout. Vous êtes mmh. beau. Ouais, on va fait. arriver pour la dernière portion de l'émission. Il nous reste un peu plus de, de 20 minutes. Euh, nous, on s'amuse, tu sais, dans le, le... Et puis c'est drôle, c'est le, le chapeau du défi sportif altergo. Puis il y a plein de questions là-dedans. Okay. Alors, c'est pas des questions qui sont scriptées. Vous allez les piger au hasard, à tour de rôle. Votre job, c'est de les piger, de les lire, puis <laughs> d'y répondre. Alors, euh, comme j'ai été élevé avec des filles, on va laisser euh, okay. Manon Parfait. piger la première question <laughs> en premier. Alors... Euh, alors, je la lis. Vas-y, ça serait le fun, oui. Ça remonte à quand la dernière fois que tu as pleuré devant quelqu'un? Hmm. Et là, il y a deux questions. L'autre, c'est quand tu étais seul. Quand tu... Okay, quand... Euh, je sais pas, je comprends. Attends il, y a... une minute. Il, y a... il y a comme deux questions. Ouais, c'est ça. Donc, je réponds à la première. Ouais, ouais, exactement. Devant quelqu'un? Oui. Ça remonte à quand la dernière ça... fois que tu as pleuré devant quelqu'un? Ça remonte... Euh... Ben là, j'essaie de me souvenir rapidement, comme ça... Euh... Ben moi, je me rappelle. Ça fait pas longtemps. T'en souviens? Oui. oui, devant toi, Chérie, c'est pour pareil. Oui. Ben oui, mais devant quelqu'un, c'est okay. quelqu'un, ça. Oui. Ah, oui. Oh, ça remonte peut-être à la semaine dernière. Ah oui. Oui, et oui. Ah, oui, Et pourquoi ah, t'avais pleuré? C'était. Euh, c'était la raison. C'était. C'était pourquoi, non, Chérie? Ben, c'était. t'avais des émotions le matin, parce que... Euh, avec tout ce que tu fais, puis le tour, es comme anxieux un, 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 un petit peu pour le tour du monde. Ah, okay. oh, c'est ça, c'est euh, ça, c'est ça. Son, son, son travail. Oui, c'est euh... ça, c'est parce que je suis enseignante, et puis là, il mm -hmm. faut faire des choix au niveau monétaire. Des fois, ça te remet en question. Mm -hmm. C'est pas le défi en tant que tel. Quand on va être dedans, on va le vivre. Là, en ce moment, le défi que j'ai, puis ouais. c'est un défi que J'aime pas penser parce que c'est tellement pour moi banal, mais en même temps, il faut que tu y penses. Ces niveaux, bon, euh, monétaire, que dire, que tu sais, je veux dire, les Bien, ben bon, c'est ça, il que faut que je calcule le deux ans. Le mmh. deux ans sans salaire, puis parce que le retour millions... sera quoi aussi? Exactement, au retour. Ouais. Donc, si tu mets ta carrière sur pause, mmh. ça serait le fun de savoir qu'au retour, tu vas avoir un job. Oui, ben, ça va être quoi au retour? On... C'est ça, c'est comme le... Je, je me lance. Oui. Mmh. Puis je vais, où ce que je vais me rendre? Des fois, ça fait comme. Le cerveau embarque et là, bien, ça l'occasionne des... des pleurs, puis après, son calme, puis après, son mm -hmm. continue. Des vertiges, ouais. puis des insécurités, et je pense que c'est normal, puis mm -hmm. ça me donne l'obligation de dire que les gens qui nous écoutent, puis s'ils vous entendent dire oh, on a ramassé 1,7 million, on veut avoir un 2 millions », les gens disent oh, oui, il va y avoir 2 millions. Pourquoi qu'elle aurait peur pour sa job? Attends une minute. C'est pas, pas pour, pour moi. C'est pas pour le fond de Manon Bélanger. <laughs> là. Non, non, non. C'est ça. C'est vie qui reçoit le 100 de l'argent que vous allez récolter. Ouais. Là. Mmh. Nous autres, on va, avoir, euh, on va avoir des partenaires qui vont euh, s'occuper de payer nos, euh, le voyage au complet. Là. Ah oui, les fournisseurs. Je, je vais avoir, ouais, je vais avoir, on va avoir euh, plusieurs partenaires. Puis on présentement, on travaille là-dessus. Puis ça va super bien. Là. Et surtout, vous travaillez afin que. Les dépenses soient les plus basses possibles. C'est ça. Pour mm -hmm. donner le plus possible. Mais c'est pour ça que euh, ça a venu qu'on emmène notre tente. Mm -hmm. euh, on va cogner sur le monde. Euh, on s'est mis une à deux fois par semaine à aller à l'hôtel parce que ça va nous faire du bien aussi vraiment d'être vraiment dans un environnement qu'on va pouvoir vraiment mm -hmm. se laver bien comme il faut puis avoir un lit. Là, euh... Juste préciser, quand tu dis cogner sur le monde, nous, euh, juste qu'on comprenne, c'est les gens qui y entendent, c'est pas vous allez pas frapper non, du non, monde. Non, vous non, Vous allez non. cogner à la à porte port pas, des gens. <laughs> Je fais juste le préciser, Cogné parce seulement. que s'il y a quelqu'un qui écoute. Je ne venais même pas il est en Belgique. Mais non, tu une yeah. parleur colorée, hein. Un ah gars ouais. de la Côte-Nord, ça parle drôle, c'est <laughs> parfait. Mais cogner sur le monde, ils vont dire ta euh, On va il... se faire assommer. Oui. Ouais. <laughs> Mais la deuxième partie de la question, maintenant, c'était la dernière fois que tu as pleuré devant quelqu'un, puis la dernière fois que tu as pleuré toute, toute seule. seule. Te souviens tu Vite comme ça, non. Non. Non, parce que c'est un. Non, pas, okay. pas là. Le... Quand qu'elle pleure, non. elle vient me voir. Oui, genre. mais je... ah, ben c'est ça. Genre. Mais ben c'est bien, non, ouais. tant mieux. Oui. Tu gardes pas tes bon. larmes juste pour toi. Non, non, non. c'est mon confident. Beau... À ton tour, euh, oui. Jimmy Pelletier. Oui. Oui. Lis-moi ça, mon homme. À part les dates, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui sera écrit sur ta pierre tombale Ben oui, à part que tu sois né telle date puis que tu sois mort telle date, qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit écrit sur ta pierre tombale euh... Life de même, là. <laughs> oui. Qu'est-ce que tu veux, autrement dit, que les gens retiennent de toi, et qu'on va l'écrire sur la pierre tombale? Tout est possible. Anything is possible. C'est drôle, mais c'était en plein ce que moi je me disais. Tout est possible. Tout est possible. Ouais. Tu vois? <laughs> y a t il un prix? Lui qui gagne? <laughs> Hein? <laughs> ben, Non, non, non mais, mais je m'essaye. Ben, là, c'est beau, mais le pire, c'est que vous vous relancez tellement la balle que ta blonde t'a deviné. Là. Ben oui. C'était possible. <laughs> vous êtes, hein? Beau couple. Power couple. Qu'est-ce que tu as de plus précieux en toi? Mm. Euh, ce que j'ai de plus précieux en moi, c'est mon pouvoir de choisir dans la vie. La liberté de pouvoir choisir ce que je veux être, qui je veux être. Et vers où je veux m'en aller. Ça, c'est le, le plus précieux. Et pour apprécier ce que tu dis là, c'est qu'il faut souvent, par le passé, avoir eu des expériences à l'opposé, mm -hmm. se sentir oui. coincé. Là, tu dis Oui, je me souviens, j'étais, euh, je me souviens de là, je pense que j'étais en cinquième année. Mm -hmm. Puis il y avait eu des petits cas de famille. Puis, puis j'avais dit à ma sœur, moi je vais choisir ma vie puis je vais réussir ma vie j'ai encore cette image là ah, puis je ouais. me vois encore dans la chambre à, à sur le cadre de porte puis je disais ça à ma soeur wow ouais donc ça, ça c'est une belle réponse que tu nous offres là puis ça ce que j'aime aussi de ma blonde c'est que elle a un tableau de vie ouais puis elle a tout mis c'est tout ce qu'elle aime ce qu'elle veut faire ouais elle a mis des photos euh, ouais. dans notre chambre puis euh, ce qu'elle avait... veut accomplir. Oui, ce que ouais. je vais accomplir. genre ouais. de to-do list, mais mm -hmm. en image, puis. Ouais. Je l'ai fait. En anglais, il appelle ça fait. un vision board. C'est comme mm -hmm. une espèce de tableau de visualisation. Puis tu visualises ça. Puis à date, ça va bien? Très bien. Bon. Ah oh. ouais. oh, oui, ça va super <laughs> bien. Euh, si tu savais que tu allais mourir subitement dans un, dans un an, changerais-tu quelque chose à ton style de vie? Non. Euh... Non. Non, le, pr... non, le pourquoi, c'est. C'est parce que là, euh... présentement, est... dans mon style de vie, ce que je vis tout le temps, quotidiennement. Et mm -hmm. surtout le projet que vous êtes en train de voir. Oui, hein, le projet. Puis, tu sais, je suis quelqu'un. Ben, moi et ma femme, on aime mordre euh, mort dans la vie. Mais. Euh... Je continuerai à faire ce que je fais, mais aussi, genre, je profiterai de, 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 de voyager. puis euh, mm -hmm. Ça, j'aime vraiment ça. C'est ça qu'on va faire. Ben là, C'est ça que j'allais mm -hmm. dire. Tu t'en vas faire le tour On du monde. On s'en va là. Donc, ouais. tu continuerais à faire ta mission. Ouais. Puis tu ajouterais des voyages. Mais là, tu as poigné le jackpot, le grand. là. Mm. Donc, tu vis comme si tu allais mourir demain, dans le fond. Ben, dans le fond, c'est ça. C'est de vivre. Euh... C'est de vivre le moment présent, puis ce que j'aime là-dedans, ce qu'on là qu va faire, Jean-Marie, c'est qu'on part d'un point A, puis on s'en va au point B. Mm -hmm. Puis on ne sait pas par où. On, on va découvrir toujours, à chaque jour, et on va toujours découvrir. Ben oui. Moi, c'est ça, notre essence, qui va nous faire avancer, puis... Euh... En fait, ce que je trouve drôle quand tu dis ça, moi j'ai l'impression que tu pars au point A, puis vous revenez au point A, c'est juste qu'on ne sait pas dans quel ordre les lettres vont se présenter. Mm -hmm. <laughs> Parce que tu as beau dire, OK, on va arriver à un moment donné au Japon, on va aller en Russie, on va aller en Amérique du Sud, mais dans quel ordre? Puis de quelle façon tu vas rentrer quand tu dis on va aller cogner à la porte des gens? C'est pas sûr que la première personne il va te dire il va te dire oui. Ça va peut-être être, être trois pas. rencontres plus tard. Donc, il y a la notion de l'inconnu qui est trillant. Ça peut être insécurisant, mais c'est trillant en maudit. C'est sûr. Parce que puis... t'es libre, comme tu disais. Mmh. T'es libre, c'est ce que tu ouais. veux? Oui. Ben, c'est ça. Après, t'as la température, ouais. puis on roule sur le bord du chemin. Puis euh, euh, Dieu sait qu'il y a des places, ça va ça va être un peu plus difficile. Mais les routes sont pas toutes belles, là. Bien, c'est ça. Avec euh, mais on va s'adapter. On va s'adapter. Oh. Ça, <laughs> ça. ça le dit, non, mais... Le livre, s'adapter, ouais. survivre ou s'adapter. Ouais, il y a des bouts, ça va être la survivance. Ouais, il y a des bouts qu'on va peut-être se dire, Alors, je parle pour moi, là, ouais, mais ouais. genre, qu'est-ce que je fais ici? On est innocent. Oui, hein, hein, j'ai pris... Le <laughs> dis, ouais. Mais c'est là, une fois que tu t'es dépassé, tu te dis, waouh. Mais l'idée, là, là, attends tu... une minute, là. parce que <laughs> la grande randonnée Jimmy Pelletier, on le sait, là, ça, ça a été aussi la traversée du, du Canada, mais... C'est arrivé quand l'idée de faire, hey, on ferait-tu un tour du monde, mon amour C'est toi qui as lancé cette idée-là <laughs> Ben, quand on... quand on a fini de faire la, la traversée du Canada, juste avant d'arriver, ouais. euh, je voulais puis j'ai dit à la blague, euh, hey, mais ça, moi, je continuerai. Mais ça, je continuerai, puis ça, euh, je ferai le tour du monde. Mm. J'ai dit ça de même. <laughs> je te dis là, ça a sorti de même parce que. On se sentait, on sentait comme des machines. On, est, on était rendu des machines. Tu on se levait le matin, on roulait, on mangeait bien, on faisait nos mm -hmm. affaires. Euh, C'est pour ça qu'à un moment donné, pendant la pandémie, on, on a pris la décision de vouloir faire le, euh, le tour du monde. Puis euh, on, a, on a mis ça en marche. Ça fait euh, peut-être deux, trois ans. Ça fait trois ouais. ans. Et puis là, il, mm -hmm. il ne manque même pas un an, hein, puis on s'en va. Quelle date, le, le départ? Euh, on part le 27, euh, ça va être le 27 juin l'année prochaine, 2025. Puis, on a décidé de partir ça, le Tour du Monde, à Québec. Okay. Ça va se partir où qu'on va vouloir faire, faire le complexe Adaptavie. Okay. Puis, on va s'en aller à Victoriaville, à Bromont ou à Grambay, Je vais décider, puis mm -hmm. euh, finir ça à Brassard. Puis, euh, nous autres, par la suite, on va embarquer dans l'avion puis on s'en va en Angleterre. On va commencer en Angleterre. Parce c'est symbolique de partir du prochain lieu vie, c'est normal. Ouais. Puis tu vas arriver où Le point final, le point de chute Le point final, c'est qu'en 2026, il va y avoir la randonnée Jimmy Peltier, Elle va continuer. Oui. Puis sauf qu'on sera pas là, mais on va te TV le soir avec tout le monde. Quand ils vont finir la randonnée, ils vont pouvoir nous parler. Puis on va avoir des grosses TV. Puis 2027. Les 400 derniers kilomètres, la randonnée de Jimmy Pelletier va joindre euh, à moi et euh, à Avec vous ma autres. Femme. Ouais. Donc, tu vas sauter une année. En fait, tu vas continuer à rouler, mais en parallèle à la randonnée de Jimmy Pelletier. Oui. Mais la finalité, la, la ligne d'arrivée de votre périple, qui va avoir pris deux ans, ça va être la fin, la ligne d'arrivée de la la randonnée. C'est ça. Jimmy Petit. On voulait... Euh, je trouve c'est symbolique parce que... Mm. c'est tous les partenaires que j'ai depuis le tout début, mais les autres vont rester dans la randonnée. Nous autres, on va aller ben chercher oui. d'autres partenaires à côté. Là, on va appeler ça des ambassadeurs. On les appelle des ambassadeurs. Ben oui. Puis, euh, tu sais, eux autres sont fiers d'être là à, à chaque année pour la randonnée. Mm -hmm. Donc, on, on voulait les garder poursuivre la randonnée parce que, tu sais, est... C'est important pour eux autres aussi. C'est une levée puis, de fonds importante euh, annuelle. Oui. Donc, on, on, est, on est bien content puis on est fébrile, là à, à hmm. partir de l'année prochaine, mais il reste encore là, beaucoup de travail. Nous autres, là, en automne, là, ça, va être la, 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 ça va être la conférence de presse vraiment officielle du Tour du monde. Oui. Puis là, là, le monde va pouvoir savoir tout. Là, à ce moment-là, le site Internet, puis le, le, le trajet, puis le monde va pouvoir nous suivre. Là, on va, je vais avoir un GPS en tour de mon vélo. Oui. Euh, que le monde va pouvoir là, nous suivre là, en, en temps réel. Là. Où est-ce que vous êtes rendu? Oui. Sur quelle partie du globe? C'est ça. <laughs> C'est quoi la question que t'as posée, que as pigée, C'est écrit, si tu avais une baguette magique et qu'il t'était accordé un seul vœu, que serait-il? Euh ce serait lorsque moi quand je vois mon mon, mon, mon chéri euh, à des moments où ce qui est plus vulnérable lorsqu'il tombe ou j'aimerais pouvoir lui redonner l'usage de ses jambes mmh. 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 c'est ça ouais, ouais c'est sûr qu'on a envie des moments hein? On vit des euh, on vit des moments ensemble mais euh, tu sais c'est à travers ces, ces petites épreuves là qu'on en sort mais encore oui, plus sûr. grand mm. puis, euh, mais c'est beau ce, ce moment d'émotion là que tu, que tu nous partages Manon nous indique à quel point l'amour que tu ressens pour ton amour pour ton amoureux mais c'est aussi un sentiment d'impuissance qui fait partie de de, de ton cœur oui. Mmh. puis de la dynamique dans laquelle ouais. tu es aussi parce que c'est pas toujours facile avoir un amoureux qui a pas ses jambes parce que tu les vois aussi ces frustrations là et c'est sûr tu sais moi j'ai la chance j'ai tout mmh. quand tu, tu, tu vois ton, celui que tu aimes qui des moments de vulnérabilité c'est là que tu fais comme c'est là que j'aimerais avoir ma baguette magique là mmh. mais c'est ouais. ça c'est euh... Je vais faire une exception parce que c'est rare qu'on fait des entrevues à trois comme ça. Mais mettons que tu t'as posé la même, t'as pris, as pris la même question, t'as pigé la même question. Toi, si on te donnait une baguette magique, puis avais un seul vœu, ça serait quoi ben, ça serait de, ça serait de me sentir. <laughs> Encore comme tantôt. Oui, de me sentir parce que c'est c'est vraiment un défi pendant ça va être un défi pendant le restant de ma vie parce que t'as la moitié de ton corps que tu sens pas oui j'ai des douleurs puis tout ça mais je sens pas puis euh, mm -hmm. c'est à chaque jour faut toujours te surveiller c'est t'es comme euh, un gardien de ton corps mm -hmm. quand tu te lèves debout, tu t'en vas tu te lèves debout tu penses pas tu te lèves tu fais tes affaires mais moi là m'emmener, je fais juste me retourner, puis il y, y a une flaque de sang à terre, mais c'est parce que là mon pied s'accrochait après ma roue, puis là je m'ai fait mal. Euh, que là t'es là, là tu t'en vas, mais là, je, 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 exemple je m'en vais, euh... je m'en vais enlever le sang, une affaire de ben main, ouais. mais des fois tu te penches, une affaire de main, whoop, là tu tombes à terre. T'sais, il, il... Il y aurait des affaires inutiles. Tu sais, je me dis, c'est. Mais tu fais bien de le préciser parce que tantôt, quand tu disais de me sentir, c'est de sentir mon envie, de sentir ma vessie, de sentir tout ça. Mais c'est pas juste sentir ça, c'est de tout sentir du nombril jusqu'en ah bas, oui. là. C'est ça, là. C'est sûr. C'est bien plus vaste encore que juste dire j'aimerais ça ressentir quand j'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est ouais. bien plus vaste. Tu sais, j'ai pas parlé d'art marché, hein. Non. Tu sais oui, oui, j'aimerais ça. C'est ça, j'aimerais ça remettre mes patins, jouer au hockey. Tu sais, c'est ça que j'aime. Ben ouais. en plus, moi, je suis vraiment un partisan des, des, un partisan des Canadiens. j'aime bien, le hockey, mais, mm -hmm. mais, ça serait ça de me sentir. Ouais. Puis tu sais, avec la science aujourd'hui, on le sait pas, hein. Il va peut-être trouver des histoires. On a vu, il y a des gens qui ont retrouvé l'usage de certains membres, les exosquelettes, ces espèces de bébites-là. Tu l'air de l'homme bionique. On ne le sait pas. Mais pour l'instant, tu ne peux pas juste espérer puis rester assis chez vous dans l'espoir que dans cinq ans, tu vas être capable de remarcher. Parce que la vie, c'est ici, c'est maintenant. Puis on a besoin de toi. On a besoin de Manon. On a besoin de votre couple. On a besoin de votre mission. Alors, vous n'avez pas le choix de regarder ça, là. C'est du concret, là. Mm -hmm. Tu sais? Effectivement. Tu sais que l'émission euh, tire à, à sa fin. Euh, je vais vous poser tous les deux la même question, puis le défi, c'est de répondre en, en, en 15-20 secondes, chaque. OK? Si je disais Manon Bélanger, c'est trois petits points. Tu complètes les trois petits points par? La persévérance et amour de la vie. Okay. Ouais. Puis la même chose pour toi, Jimmy Pelletier, c'est le, le moment présent, euh, dans la vie, tout est possible, Adaptation, puis... Euh, puis, euh, wow, vive la vie, la, la vie est belle. Wow, vive la vie, la vie est belle. Oui. <laughs> wow. Ben, Jimmy Pelletier, Manon Bélanger, merci d'être... Euh, Venu faire un petit arrêt avant votre grand départ, avant le grand tour du monde. Je répète euh, que vous avez écrit ensemble un livre. En fait, c'est Manon qui a écrit le livre. Ah, mais oui. ah, J'imagine que oui. tu as dû en lire des bouts avant que ça soit publié. Euh, juste une fois, mais c'est gênant de se, euh, se, se lire. Ouais. Parce que c'est ma vie, puis. Euh, <laughs> sauf que. Bien. Puis. Je pense que c'est important vraiment de, de le souligner parce que ma, ma femme a décidé de céder les droits d'auteur à Adaptavie puis qu'elle mm -hmm. donne la, euh, dans le fond là, les, les dons à Adaptavie, mm -hmm. ça c'est vraiment là, un geste incroyable qu'elle qu a décidé de, de remettre ou, de redonner au suivant, c'est euh, beau. Tu sais, c'est vraiment, moi je le conseille, c'est vraiment un bel outil à avoir dans, dans, son, dans son propre coffre d'outils. D'avoir une Manon Bélanger ou d'avoir un livre de même? <laughs> d'avoir un livre. Oh non! <laughs> <laughs> <d 'accord>, déjà! <laughs> Et dans ton coffre, pour un méchant en bois. Euh, merci encore d'être venu avec merci moi. Toi, merci Manon Bélanger. Merci. merci Jimmy Pelcy. Merci beaucoup. Merci à, à mon agente, Marie-Philippe Lemarbre, qui avait euh, eu l'idée de faire ce balado. Merci à Philippe Lapointe, le directeur radio, à Jean-Sébastien Laliberté, la chef diffusion. On avait aujourd'hui à la mise en ondes Maurice Bolduc, à la recherche coordination Aya, Jennifer Ando, Gerly Ormelet aux réseaux sociaux. Ici, Jean-Marie Lapointe, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de porte-parole. Je vous dis à très bientôt.